Et bonjour à tous, c'est Kunga. On continue sur Transport Fever 2, 9e épisode. On est passé en 1913 et on a débloqué des nouveaux bateaux. Donc j'ai envie de faire une ligne maritime. Et donc en regardant la carte, j'ai évidemment l'Angleterre qui est intéressante. Et on a déjà commencé à développer la ville de Londres. Quand je regarde mes villes, Londres est la deuxième ville et elle a besoin de carburant. Donc j'aimerais bien livrer du carburant par bateau à Londres. Et je vois qu'en face, à Calais, je peux produire du carburant. J'ai une raffinerie. Il me manque juste du pétrole brut. Ah bah visiblement, il va falloir le faire venir d'assez loin. Ah. D'accord. Juste à côté de Paris, il y a du pétrole brut. Alors, il y a du pétrole brut ici. On va essayer de l'amener là-haut. Puis, le carburant de l'amener à Londres. Alors, ça donne quoi financièrement? Oh là 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 là, mais quelle horreur! Je suis incapable de rentabiliser mes lignes. Les lignes de train là. Heureusement qu'il y a le camion et les bus, parce que sinon bon, heureusement j'ai pas mal de côté quand même. Je crois qu'on va se mettre sur pause et on va fabriquer tout ça. Allez, c'est parti. On va le faire dans quel sens? Sens production ou sens inverse? Allez, sens production. Donc on a dit, au sud-est de Paris, on produit du pétrole. Donc je vais déjà prendre le pétrole d'ici. Avec une gare. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette route de... Bonne. Pas pour le moment, en tout cas. Ça c'est bien. Donc pour l'instant ça va être un terminus et c'est parti. Un rail tout droit. Une signalisation sens unique dans ce sens-là. Ça c'est bon, ça c'est fait. Alors on va avoir besoin d'une autre ligne ici. Comment on va faire? Est-ce qu'on va réutiliser cette voie de Paris et tourner après vers le nord ou plutôt faire un direct? Moi je me ferais bien un direct pour éviter d'engorger l'autre voie. Du coup la gare, je la mets plutôt... comme ça. On va la mettre en double sens.
Donc je rajoute des rails, des quais. Ici j'ai besoin d'un feu, là toujours la même recette. Quand je reviens, je change de voie. Hop. Et un feu ici. Donc ça c'est bon, il n'y a plus qu'à relier ces deux gares. Est-ce qu'on ferait un pont qui passe là-dessus? Et hop. Alors ces deux gares sont reliées, on va mettre les feux. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite ce pétrole, je veux l'amener là-haut. Calais. Et en fait, entre Calais et Dunkerque, on ira en bateau. Et entre Dunkerque et Londres, on ira en bateau. Donc ici, ça sera un terminus. C'est ce qu'on va faire. Recevoir beaucoup. Du coup, je vais mettre plutôt que comme ça, je peux garder un seul quai et mettre des rails de l'autre côté. Ouais, je vais faire ça. Ok. Donc après. Croiser. C'est pas assez long encore. Ouais, c'est pas mal ça. Et du coup, le sens unique, on le met que ici. Signalisation sens unique de ce côté-là, c'est sûr. Et sens unique, non. Moi,
je sais pas trop. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Alors, faudrait relier tout ça. Ici. Bon, déjà, aller par là. On va jamais rester rentable. Être très très longue cette voie. Collision. Trop ambitieux. Bon, est-ce que là on va pouvoir rejoindre? Je prends par exemple la voie de gauche. J'ai pas l'impression que ça a rejoint. Ici, ça a l'air bon. C'est la voie de gauche. Ça a l'air bien. Ok. Donc la voie de droite. Je pense que c'est bon. Entrée du tunnel. Cool. On va mettre les feux. Sens unique, oui. Nickel. Pourquoi il en a pas mis? Bizarre. Mais il n'y a qu'une voie. Je suis pas allé au bout. Ok.
Cette fois, je crois que c'est bon. Donc, allons-y, signalisation dans ce sens. Ça, c'est bon. Il a mis tous les feux. On va faire pareil dans l'autre sens en sortie de gare. Et voilà. Donc là, on a les infrastructures pour livrer ici du pétrole brut et le raffiner. Deux pour un, c'est bien. Donc maintenant, je propose de faire une liaison maritime jusqu'à cette raffinerie pour fabriquer du carburant. Plutôt que de le faire ou par la route ou par le train. Donc on va faire un port de marchandises, un petit pour commencer. Qui est hors des voies navigables. Il va lui falloir une route. Est-ce que c'est relié? C'est relié. Donc il va nous falloir, on va mettre là juste à côté. Un chantier naval. Si je le mets trop à côté, je pourrais pas étendre le port. Et ici, on va faire un deuxième port. Comme ça. Du coup, il nous faut une route. Est-ce que ça marche? Ça a l'air de marcher. Par contre, celui-là, il faudrait peut-être avoir plus de quais. Bâtiment principal, petit quai, grand quai. Je peux mettre un grand quai? Ah oui, d'accord. Et un petit quai ici. Super. Peut-être faudra agrandir celui-là aussi. Bon, du coup, on est capable de faire une liaison maritime ici et on a besoin d'un quai du côté de Londres en face. Ici.
galerie comme ça, qu'on pourra faire une liaison maritime pour amener le carburant. Et il ne restera plus qu'à amener le carburant dans Londres. On va faire un petit... terminal, un petit relais routier tout petit. Est-ce que non? Si. À quoi ça ressemble ça? Je peux le mettre plus loin peut-être. Ouais. Je vais le mettre comme ça. Rajouter des bâtiments. Il me semblait qu'on pouvait... Et il faudra aller produire, aller envoyer le carburant ici. On va commencer par là. Donc je vais mettre un terminal de livraison par exemple là. Et on va créer notre ligne. Qui vient de là et qui va ici. Alors, on va l'appeler livraison. Carburant Londres. On se fait ça de quelle couleur ? Ici, je l'ai mis en marron, bah ok. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Ok. Donc on va lui rajouter des véhicules. Forcément c'est ça, j'en rajoute 4 qu'on va mettre à livraison carburant Londres. Bien, donc maintenant il nous faut une ligne qui va aller de Dunkerque à Londres. D'accord, on va l'appeler carburant Londres. À Dunkerque, on va lui dire de charger le carburant. Et
Et Londres, on lui dit rien, il va comprendre tout seul comme un grand. Il nous faut un bateau. Six kilomètres heure, 32. C'est celui-là qu'on a débloqué, je crois. Non, c'est celui-là. 32. On va prendre celui-là. Ah, il se charge moins vite. Dernier bateau à Rouaob. Celui-là, il revient beaucoup moins cher. On va prendre celui-là. Donc ça c'est fait. Maintenant, il nous faut livrer du carburant depuis Calais jusqu'à Dunkerque. Besoin qu'il aille trop vite. Pas besoin non plus qu'il soit trop gros. Oh, sauf si j'attends qu'il soit complet. Mince, j'ai oublié la ligne. D'abord, je crée la ligne. Par de là. Je veux une nouvelle ligne. Voilà, 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 d'accord. Donc je pars de là et je vais là. Et ça s'appelle pétrole brut. Non, pétrole raffiné. Pétrole raffiné, j'ai mis ça en vert. Et donc j'avais un bateau qui restait, c'est celui-là, et je le mets en pétrole raffiné. Impossible de trouver un chemin jusqu'à l'arrêt. Gros navire non autorisé. D'accord. Alors il faut que je change ça pour rajouter. Grand quai. Comme ça. Et un petit quai. Comme ça. Est-ce que là ça marche? En fait, peut-être que
ça va faire grand quai. Et peut-être que du coup, c'est la même chose ici. Est-ce que maintenant c'est bon? Navire 2, pétrole, Dunkerque, graphite. Gros navire non autorisé. Il me faut des grands ports. Entrée piéton, débarcadère, petit débarcadère, grand débarcadère. Alors ça a marché? Allez, voyons voir si on peut affecter ce bateau. Impossible, gros navire non autorisé. Je sais pas. Visiblement, je sais pas faire. Pourtant un grand quai là. Bon, écoutez, pour l'instant, je comprends pas. Donc, on va prendre un petit bateau et puis c'est tout. Pas se prendre la tête plus longtemps. Ça, je vends. On veut du petit. Et on va prendre ça. Et ça marche. Ok. On continue. Donc maintenant, c'est les lignes de train qui viennent chercher le pétrole. Alors on va faire deux lignes. Ah, par contre, il me faudrait un dépôt de locaux. Ou alors relier celui-là. On peut relier là.
il veut pas. Et pareil sur la ligne. Ça y est, du coup, ce dépôt est relié. Allez, on va faire nos deux lignes. Nouvelle ligne. Pétrole brut. Il y a un T, il y a un E. Pétrole brut. Dunkerque 1. Pétrole brut 1. Dunkerque. Et notre nouvelle ligne, pétrole brut 2. C'est plutôt ces couleurs-là. Genre ça. Tout à fait. Ok, pétrole brut Dunkerque 1, c'est lui. Alors, on va chercher le pétrole et on va le chercher ici. La ligne 1, ça part de là et ça vient ici. Et la ligne 2, ça va partir de là et ça va aller ici. Et il n'y a plus qu'à rajouter les deux trains. On prend le dépôt de voirie, on achète un train. Je pense que c'est celle-là la plus rentable. Ah, c'est peut-être mieux ça. Ouf. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça va faire des super trains, capacité 72, acheté pour 5 millions. Mais vous m'en mettrez deux, s'il vous plaît. Le premier, on va le mettre sur pétrole brut
parisien. Non, pas sur pétrole brut parisien, sur pétrole brut Dunkerque 1. Donc celui-là, il va sur Dunkerque 2. Pétrole brut parisien. Que tu ailles sur pétrole brut Dunkerque 1. Voilà. Et ben je crois qu'on a tout. On va enlever la pause et on va regarder tout ça. Je pense que le mieux c'est d'aller commencer par les bateaux. C'est plus joli. Enfin, en tout cas, on les a jamais vus. Et vous avez qu'à vous rouler dessus aussi. À Londres. Doit aller à Londres. Ça c'est parti. Alors on va regarder comment tout ça ça fonctionne. Déjà les trains, est-ce qu'ils arrivent? Ici, ça a l'air de fonctionner puisqu'il y a du pétrole brut qui arrive. Pour l'instant, ça n'a pas été transporté. Il est arrêté, c'est normal. Se mettre en accéléré. Ouais, il va finir par passer. Le problème, c'est qu'il passe par Paris. Loin.
0 up. Up. Pourquoi? Ah, parce qu'on était à Dunkerque, il passe d'abord par Dunkerque. D'accord, c'est la ligne Dunkerque, ça. Eh oui, ici j'ai fait la jonction dans ce sens. Ce qui fait qu'il va d'abord à Dunkerque. Bon, on va le laisser venir. Hein. Ça produit plus vite ici que là, je sais pas. C'est la route peut-être. C'est une route plus grande. Et voilà, on va commencer. 72, il est rempli. À 60 km/h. Là, on a rejoint la ligne de Paris. Là-bas, c'est Paris. Bien, bien, on va se traverser des forêts, on va passer sous des collines. Je suis bizarre qu'on ne croise pas de train quand même. Et voilà. Donc on a livré à Calais. Et donc ici, voilà, il y a des trucs qui attendent. Et ça tombe bien, il y a un bateau qui arrive et qui se charge. 49 sur 65. Pourquoi l'autre vient là aussi? Non,
non, ça c'est pas normal. Carburant Londres. Quoi, il passe par là? Ça devrait être mieux. Donc lui, il a dû livrer du pétrole raffiné ici. Oui, ça fonctionne. Et donc le carburant est en train de se charger ici. Qu'à aller regarder ce que fait celui-là. Là, il est en train de partir à Londres complètement vide. Et quand il revient, il va charger le carburant. Fermer ça. Voilà Londres. De Dunkerque est là et on y va direct. Direct, j'ai dit. Et on voit l'autre bateau ici. Bon, on va juste s'assurer qu'on arrive à livrer les trucs comme il faut à Londres et après on va essayer d'équilibrer un peu la ligne. Pas complet. Bon, on équilibrera. Londres là-bas au bout.
carburant a été livré. Donc les camions vont venir le chercher. Et donc, normalement, Londres doit commencer à récupérer du carburant. 4, ouais, ça y est. Bon, ça fonctionne. Alors voyons un petit peu l'optimisation de tout ça. Déjà, au niveau de la raffinerie de Calais. Cette raffinerie, elle est à 50 en production. On peut carrément multiplier par 4. Pour ça, on va aller voir les liaisons. C'est Dunkerque, pétrole brut, voilà. Il faut qu'on monte à 200. Du coup, celui-là. Ça fait 850. Et celui-là, je vais en faire autant. Voilà, on est un peu plus de 300 maintenant. Ça veut dire qu'on va mettre du 300 ici et on voit qu'on peut monter de niveau. Donc il va monter de niveau. Du 300. Combien j'ai dit? C'est ça. On met du 300 ici, 310, 320. Donc ici, on va produire du 160. Si on produit du 160, ça signifie qu'ici, prenons juste les bateaux. Ah bah ici, on est capable de tout prendre, sans souci. Ici, on peut livrer 114 pour 160, c'est presque bien. Je vais peut-être dupliquer celui-là. Mais après, d'être capable de livrer du 160, c'est peut-être idiot parce que Londres, il s'en fout, non? Il veut que du 50, lui. On est déjà largement. Bon. Je revends ça. Pas besoin. On ira livrer une autre ville, par exemple Margate ou Folkestone. Bon, mais voilà. Je crois que l'objectif est rempli. Par contre, on n'est pas équilibré du tout. Saint-Nazaire me fait des appels du pied. Allez, on va avancer un peu les dates pour voir ce qu'on est capable de débloquer. Et on s'arrêtera là-dessus sur cette vidéo. Enfin, l'entreprise prend de la valeur.
Tu dis pause. Voilà, nouveau véhicule. Jolie cette loco, 90 km/h. Allons voir. Donc moi j'ai plutôt ça, c'est du 60 km/h, là c'est du 90. Effort de traction 7600. Ah, meilleur. Elle est pas tant que ça plus chère. Mais elle va beaucoup plus vite. Et ben du coup, je serais d'avis de la remplacer, moi. Du coup, je serais d'avis de remplacer. Donc ça, je me suis mis en pause, ça va. Et du coup, on va remplacer nos locaux. Ça manque pas, hein. Si je prends acier mur de Bretagne. Mais on fera ça la prochaine fois. Je pense que c'est le mieux, sinon ça va faire une vidéo trop trop longue. On commencera par moderniser les trains. Allez, sur ce, je vous laisse. Salut à tous, c'était Kunga. Londres est en pleine progression grâce, grâce au carburant. On se rajoute 20%. Et c'était le but de cette partie de la vidéo. On a deux liaisons maritimes. Qui sont pas rentables. Ça, c'est pas très plaisant. Faut qu'on regarde ça. Faudrait produire plus. Faudrait produire beaucoup plus. Bon, je regarderai ça. Allez, salut, salut à tous, c'était Kunga, à bientôt.